Ali, Teddy. OK. Bonjour tout. Bonjour. Ali. Bonjour. Ali, Teddy. Bonjour. Oui. Est-ce que vous parlez français, anglais, allemand? Français. Combien de personnes parlent français ici? Combien parlent français? Et combien de personnes parlent anglais? Baissez les doigts alors maintenant. Anglais? Ok. Italiano? Oui, mais ils parlent français. Et pas français aussi, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler anglais et français aussi, hein? S'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que moi ici, il faut m'en demander, hein? Ok? Ok. Comment vous allez voir maintenant? Vous allez voir les enfants? Ils sont comme vous, hein? Peut-être vous aurez plus fort que les enfants là. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas beaucoup de temps. Comment les temps qu'on a avec les enfants? Mais on va essayer de faire quelque chose. So, si vous êtes très content, on va organiser autrefois, comme ça, on va ramener beaucoup de GMB pour tous les mois. So, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est... GMB. Ah oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est... On va faire... Comment vous allez voir, comment on avait fait avec les enfants ici. So, basically, today... we're going to do something similar to what I'm doing with these kids. But the problem is that everybody will not be able to play everything because... Ali. Yeah, you can call me Alibaba. Okay? Yeah, Alibaba. The children like that most. Oui, les enfants aiment ça. Vous pouvez m'appeler Alibaba aussi, hein? So, we're going to do something similar today to all these kids. Je connais Alibaba. Ah oui, oui, oui. So we're going to do something similar to these kids today. Hein? So then we're going to pick two children, one boy, one girl. Who is going to play djembe with me? Okay. But today, because we don't have enough time. Everybody cannot play, and okay, wait. So there we're going to have two kids who are going to play with me. Okay, maintenant on va commencer. D'abord, il faut que je vous dise une petite histoire de les djembe. Hein? Vous voyez les djembe là? C'est un instrument musique de l'Afrique. De l'Afrique? Oui, d'Afrique. Ah oui, de la Chine peut-être. Okay. On utilisait les djembés là en Afrique pour faire plusieurs choses. Hein. On utilisait pour faire la musique, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est en Afrique, on n'a pas de téléphone dans le village, on n'a pas de radio, on n'a pas de télévision. On est pauvres, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est si il y a quelque chose, comme une soirée, il y a quelque chose à faire, ou comme aujourd'hui, on va jouer avec les enfants. Il y a quelqu'un, comme Alibaba, qui prend les djembé et passe partout dans le village. Et parler avec les djembé pour dire les gens, aujourd'hui, on a une réunion. Aujourd'hui, il y a une soirée. Comme ça, on appelait les djembé aussi les talking drums. Si on jouait les djembé comme ça, les gens savent, OK, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va passer dans la ville. Comme ça, toutes les gens, ils sont. OK? And for the people who speak English, you see, djembe is an African musical instrument which is used, we use it in Africa for music and for other purposes. In the villages in Africa, we don't have televisions, we don't have radios, we don't have telephones. So what we do is, we use the djembe as a means of communication. That's like today, like we're going to play djembe with the kids today, and we want to tell the village there is a man in the village who is like Alibaba, who takes the djembe and go in the village, in the center of the village, and play the djembe. So when the villagers hear, they say, okay, today something important is going to happen. Then everybody is coming, okay?
So, that's what we're going to do today. Aujourd'hui, c'est Ali Baba et les 40 enfants. Pourquoi on ne fait pas la musique? Oui, parce qu'on fait la musique pour danser aussi. Hein? So, basically now, we're going to start because we don't have enough time. We don't have much time like we have with these children. But what we're going to do is to try to do something today so that at least you see how the djembe is being played. Eh? Then after that, I will need two kids. Then the teachers can choose two or three to come and play the djembe with me. Okay? So now we're going to start. So we're going to start now. Then, basically, I still leave a little bit. Okay, so now I'm going to start to show you how to play the djembe, and I will need two kids to come up. Vous pouvez deux ou deux qui va jouer avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est d'essayer de faire comme ça. Teodora, tu lo capisci il francese? Comme ça. So now, basically what you do is, you're going to look at me, and then we're going to do something together, okay? And you see, like, the, comment les enfants l'ont fait, mais vous parlez anglais ou français? Français, hein? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est, on va essayer, hein, ensemble, hein? Moi, il va vous apprendre, hein? Oui. Il va vous apprendre comment jouer les tam-tam, hein? Mais après, moi, je vais jouer, hein, et les autres, ils vont regarder. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est on va commencer d'abord avec un, hein. Mais vous allez faire comment moi j'ai fait, hein. Qu'est-ce que moi j'ai fait, okay? Ok? C'est plus facile comme ça, hein. Ok. D'abord, moi, j'ai fait un. Si vous faites un aussi, hein, il faut prendre un dans la tête, hein. Après, on va faire un, deux, trois, ok? D'abord, on commence avec 1. Ok? Ok. Et on fait 1. Et Boudo, on fait aussi. Comment on va dire? Ok. 1. Regardez-moi. 1. Ok. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire? C'est Boudo. Hein? Vous faites même temps. Hein? Vous voyez? Quand moi je fais 1, Boudo, essayez de faire même fois. Ok. Après ou le même temps? Non, après moi, après. Mais les deux ensemble. Ok. Comme ça. Ok, ça c'est bon. Et vous maintenant, vous toutes, hein, quand on fait un, vous pouvez aussi. Ok? Oui, parce que vous n'avez pas le djembe aujourd'hui, hein? Peut-être autrefois, tout aura le djembe, ok? Ok. Mais vous faites, quand ils sont faits, comme ça, vous toutes faites aussi, hein? Ok? Même temps, ok? On a essayé? Ok. Ça c'est bien. Vous êtes très bon, hein? Ok, maintenant on va essayer avec un dos, hein? Un dos, hein? Et vous allez dire un dos. Un dos, hein? Un dos. Un dos. Un dos.
ensemble, hein. On fait. Vous-moi, regardez. Moi, je fais. Jouer autre chose, hein? Et vous aussi, hein? C'est toujours un, deux, trois, hein?